faire de la musique, ça se fait pas avec un balai dans le cul. Soit il y avait une incohérence en fait dans les résultats des réponses que tu m'as écrit. Tu me dis le challenge que tu as aujourd'hui, faire 50K par mois. C'est mon objectif. Ok. Et les résultats actuels de ton business, c'est moins de 50K par an? Oui, c'est ça, absolument. En fait, si tu veux, jusqu'à mois d'avril, on était en moyenne à 5 000 euros de revenus. Et à partir du mois d'avril, avril, mois de mai, tout a chuté. Comme ça, on est passé à 1 500. Donc, si tu veux, ça fait Ok. un peu mal. Voilà, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il y a le déconfinement, les gens ne veulent plus se retrouver derrière leur écran d'ordinateur, ils veulent faire des barbecues, des partout, j'en sais rien ce qu'ils veulent, tu vois. Mais avoir du contact humain, faire des câlins et tout. Et donc, du coup, bah, c'est un peu dur parce qu'il faut résister parce qu'il y a toujours des charges, même si j'ai toujours fait en sorte d'avoir que des lifetimes pour les outils. Mais il y a Ouais. des trucs comme l'autorépondeur, ActiveCampaign, tout ça, bah, tu es obligé de payer tout le temps, en fait, tu vois. Ouais, de ouf. Et à côté de ça, bah, faut quand même se faire un salaire pour manger. Donc, je fais un salaire pour moi et un salaire pour ma chérie. Et du coup, bah, c'est pas évident. T'as pu faire le test sur les Oui, j'ai fait le marketing? test. Si tu veux que je te partage les résultats? Bah, partage-moi les résultats, mais en fait, tu connais la marque française qui s'appelle Made in la France. Non. Non, ça te dit rien? En Non, j'ai fait, jamais entendu alors parler. J'ai noté. Groove Like a Pig m'a vraiment fait penser à la marque d'habits Made in la France. Si tu prends, si tu, alors J'irai c'est voir. ce côté, en fait, ce que tu partages en fait avec Made in la France, c'est ce côté légèrement irrévérencieux. Le fait d'être irrévérencieux, c'est le fait de ne pas respecter les codes de bienséance. Ah C'est oui, genre, d'accord, ah, c'est. je suis un peu un sale garçon, mais je l'assume, tu vois. Tu arrives à lire les initiales de Made in la France? Tu prends les initiales. MILF, Ouais, ok. MILF, oh Oui, putain, voilà. Mother Vois l'idée? Donc, en fait, ce qui est absolument génial, c'est ce côté-là irrévérencieux, en fait. C'est ce que. to Voilà. fuck. J'adore. J'aurais jamais pensé, mais Et ok. tu vois, en fait, en réalité, ta boîte devrait s'appeler Glap. Hein. Parce que Glap, en fait, déjà, c'est très drôle, ça sonne un peu bidon, mais c'est très très marrant. Puis en fait, ça doit être qu'un truc de connaisseur de savoir que ça veut dire groove like a pig. De ton truc, est-ce que tu as par exemple Jester en très très haut? Non, j'ai 5 sur Jester. Ah. Le très très haut, c'est Magicien 23. Ouais. Ensuite, 18 créateurs. Après, 12 amoureux. C'est ton top 3? Ouais, ça, c'est le top 3. Yeah, ok. 23 magiciens, 18 créateurs, 12 amoureux. Le magicien est un archétype, c'est un archétype qui, c'est quelqu'un en général qui sait prendre des choses extrêmement complexes, qui sait les vulgariser et puis les rendre accessibles à d'autres. C'est un archétype de transformation. C'est quelqu'un qui transforme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avant et puis un après. Moi, je suis un magicien en numéro 2. En deuxième position, je suis un magicien. Et je sais que je transforme mes clients, tu vois. Quand ils sortent du programme que j'ai pour eux, c'est des personnes différentes, tu vois. Et toi, c'est le cas aussi, tu vois. Quelque chose où tu les transformes. Il y a toujours trois niveaux, en fait, il y a toujours trois niveaux je vais y arriver, dans les archétypes. Il n'y a pas un niveau qui est meilleur que d'autres. Ils sont du plus, on va dire, matériel au plus profond, tu vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, Disney est une marque extrêmement magicienne parce qu'ils sont au niveau 1 en disant, je veux te faire expérimenter des moments magiques. Tu vois, le coup du spectacle, etc. C'est le côté magicien au sens propre du terme. Je te fais un tour de magie. Waouh, tu vois, tu es dans l'émerveillement. Le niveau 2, c'est de dire, je vais t'amener dans un état de flow. Et le troisième, c'est... je réalise tes rêves les plus fous. Et tu vois que la promesse groove like a pig, moi je suis batteur.
Donc moi, tu me dis, Ok, je sais pas. groove like a pig, tu vois. Donc j'ai la lèvre inférieure qui avance un tout petit peu comme ça. Je commence à avoir la tête qui fait ça. Tu vois, genre, j'ai l'impression de jouer enfin, j'ai l'impression d'être Chad Smith, en fait, des Red Hot Chili Peppers. Et puis là, du coup, je groove like a pig avec un truc et tout. Et puis j'ai la tête qui secoue à chaque battement avec ce truc où tout d'un coup, je ne pense plus à ce que je suis en train de jouer, mais ça, je sais que ça sonne super bien. Et puis que je suis dans un. Je suis. Tu vois, je suis dans un moment absolument magique, dans un état de flow, en complet kiff, en fait, avec mon instrument. Et puis, genre, le monde peut s'arrêter, je m'en fous, j'ai eu la plus belle jam de ma life. Donc ça, c'est ce que tu fais. On est d'accord. Ça, c'est ton numéro un chez toi, c'est ton quoi. C'est ce que j'appelle ton archétype de tête. C'est ton quoi. Et ton quoi, c'est j'amène les gens dans le flow. Comment? Le deux, c'est le comment. Et là, c'est le créateur. Ton approche de la basse doit, à mon avis, être inconventionnelle. Et cette autre approche, en fait, c'est créateur plus magicien chez toi. Donc, le magicien a compris une méthode pour apprendre la basse et qui donne des résultats de ouf. Et le créateur, en fait, s'est dit, ben, je ne peux pas avoir ça, en fait, avec un truc un peu conventionnel. Donc, il faut que j'aie une image, il faut que j'aie un style, il faut que j'aie une approche différente. Personnalité, ouais. Une D'accord? identité, absolument. Ouais, c'est une identité, mais c'est surtout, en fait, une zone d'expression. Parce que d'être différent, ce serait le hors-la-loi. Je ne sais pas à combien tu es dans le hors-la-loi. Or, la loi 8. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Par contre, tu vois, tu as une zone d'expression qui est propre. Donc, en fait, tu vas permettre aux gens d'être dans un état de flow avec leur instrument en créant chez eux une zone d'expression. Alors, le coup de créer une zone d'expression, tu vois. Puis, amoureux, c'est pour qu'ils connectent. C'est pour qu'ils connectent de manière intime, en fait, entre eux-mêmes. Alors après, moi, la question, c'est de savoir, en fait, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un amoureux chez toi? Parce que l'amoureux, en fait, l'archétype de l'amoureux, c'est celui qui veut avoir des conversations intimes, qui va avoir, tu vois, une relation plus Ah oui, proche parce que avec les la gens. proximité pour moi est importante dans mon business. J'arrive pas à imaginer un business où c'est un espace membre, c'est froid, t'as que les vidéos, tu te débrouilles et je suis jamais là pour eux. T'es pas là pour créer une audience, t'es là pour créer une communauté. La gamification est très importante, effectivement. Ouais, mais au-delà de la gamification, en fait, il y a un truc qui est absolument génial. En fait, c'est le créateur. Faut aller taper dans le créateur, en fait, c'est parce que. Alors, après, faut voir comment toi tu te sens avec ça. Mais le vrai potentiel de ton business se trouve beaucoup dans le nom que tu as, qui est déjà ultra osé, mais surtout, en fait, qui est légèrement décalé. En fait, avec Groove Like a Pig, si tu embrasses en fait cet état d'esprit un peu décalé et irrévérencieux, mec, tu vas faire un carton sur le marché. Faire des pubs en mode humoristique. Il y a un mec que j'aime bien aux États-Unis pour ça, c'est Billie Jean is Marketing et j'adore ses pubs parce que c'est tellement entertainment. C'est là, c'est comme si tu regardais un film ou une série en fait. Tu sais, comme dirait Jamie Gourmand, un mélange de pédagogie où tu apprends quelque chose, mais en même temps, c'est du divertissement. Je veux devoir faire un jour une publicité qui dit tu vas apprendre le violon, mais putain, t'as envie de finir comme ça toute ta vie, puis tu vois, te foutre de la gueule en fait de tous les autres instruments, puis dire mais mec, faut apprendre la basse, quoi, c'est l'instrument le plus fun du monde. Tu vois? Mais juste parce que tu as comparé comme un gros connard et puis juste de manière irrévérencieuse les autres. La batterie, ça coûte cher, ça fait chier les voisins, machin. Et te prendre de la place dans le studio à Paris, machin, tu fais comment? Tu vois? Puis tu vois, avec cet humour un peu débile, ben mec, ça va cartonner. Mais direct, parce que ce serait en cohérence, ça serait en cohérence totale avec, tu vois, l'humour, le style, l'énergie qu'apporte en fait un terme comme groove like a pig. Mais franchement, non mais tu sais, ce qui est génial avec l'énergie que je sens chez toi, c'est que tu peux te permettre, tu vois, de faire un teasing de ouf,
tu vois, de faire un teasing de ouf pendant 5 minutes au départ. Puis là, il me dit, bon, écoutez, j'ai deux nouvelles. En fait, j'en avais une au départ, parce qu'il y a l'annonce, enfin, et voilà, on sort l'application, etc. Donc, c'était la grosse annonce. Mais en fait, j'ai une autre annonce. Et puis, tu commences comme ça pendant les 30 secondes. Mais genre, en fait, j'ai une autre annonce. Il faut absolument que je vous dise un truc. Donc, je vais quand même attendre les 5 premières minutes, histoire qu'il y ait du monde qui arrive et tout. Mais attendez-vous, en fait, à avoir une vraie question existentielle que je vous pose. Pour Groove Like Epic et qui va changer le futur de Groove Like Epic à jamais. Donc, franchement, restez là, connectés, etc. On attend 5 minutes et je vous pose la question parce que c'est vraiment important pour moi, tu vois, de pouvoir vraiment connecter avec vous de manière ultra émotionnelle et puis de juste, vous voyez, qu'on soit une famille, quoi, qu'on soit des gens qui s'amusent, des gens qui se sentent bien, des gens qui sont ensemble et tout. Et puis, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ok, vous êtes bon? Et si je vous appelais mes cochons, que je vous dise salut mes cochons à chaque fois à toutes les vidéos. Comment vous avec un moment la chute. Dans ta communauté, il y a des gens qui vont juste attendre le gag à chaque jour, juste parce que ça leur fera du bien. Ce sera leur routine, tu vois ce que je. Est-ce qu'il y a des livres sur le running gag? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ou des ressources, des choses comme ça, histoire d'avoir. Alors j'ai pas comme ça, j'ai pas. Mais par contre, alors dans l'infopreneuriat français, tu peux regarder YoViral pour le YoViral dans le poker. YoViral, je connais pas. Qui est très très bon, qui est très très bon dans le running gag, etc. Il a un petit stream, enfin, c'est un ancien de la radio, il a un équivalent de stream deck où il a fait enregistrer des voix off avec des commentaires un peu spéciaux. Et puis à chaque fois, en fait, par exemple, tu as joué au poker déjà? Non, jamais. D'accord. Quand tu joues au poker, tu peux par exemple faire tapis, tu vois, tu peux miser tous tes jetons. Puis ben, si tu gagnes, tu doubles tous les jetons que tu as reçus, tu vois, automatiquement. Okay. Puis ben, lui, quand il gagne un tapis, puis qu'il double, il fait dubu-dup. Et en fait, il y a une voix off dans son truc qui fait yay baby, dubu-dup-dup, tu vois, comme si tu avais gagné en fait à la machine à, comme si tu avais gagné la machine à sous. Et ben dans le chat, dubu-dup, tout le monde. Genre ils sont là, allez dubu-dup et tout. Et en fait, c'est devenu un langage. Plutôt que de dire en anglais j'ai double up, j'ai du budup. Et en fait, chez YoViral, tout le monde dit, en fait, dès que j'ai, tu vois, je double ma mise, j'ai du budup. Et en fait, c'est rentré dans c'est un mode vocabulaire dans la communauté. Ouais, c'est rigolo. Enfin, c'est sûr qu'il faut dans la marque et dans les communications de la folie. En tout cas, c'est comme ça que c'est la vision que j'ai, tu vois, de l'entreprise et des communications. Aussi, je ne me vois pas faire un truc, justement, parce qu'on est CEO d'une boîte, on doit avoir une cravate et oui, alors, Music Records, Company Records, je ne sais pas quoi, c'est chiant. Tu devrais faire ça pour se foutre de la gueule de ça. En fait. Tu vois, tu devrais faire des vidéos comme ça, mais pour te foutre de leur gueule, tu vois. Je sais pas, je trouve ça ennuyant, je trouve que c'est un gros, mais c'est parce que c'est ma personnalité, mais je trouve que ça met un gros balai dans le cul, en fait. Et quand tu as envie de faire de la musique, tu n'as pas besoin d'avoir un balai dans le cul. Le jour où tu es capable, en fait, d'avoir un t-shirt qui vient de dire cette punchline et tout, tu as tout gagné. Donner la phrase, en fait, faire de la musique, ça se fait pas avec un balai dans le cul. Ok, ça marche. Donc ça peut être une punchline que tu mets, tu vois, dans derrière, enfin, t'as le logo Groove Like Epic, tu vois, et puis t'as une autre phrase derrière. Puis là, ça donne le ton, tu vois. Oui. C'est un truc en branding qu'on appelle, c'est la personnalité de la marque. Il y a 5 traits de personnalité, je les enseigne dans les trucs que je refilme. Mais toi, t'es un mélange d'excitation et puis de rugosité. Faire de la musique, ça se fait pas avec un balai dans le cul, c'est exactement, tu vois, dans l'état d'esprit, c'est à la limite du trop irrévérencieux, mais en gros, c'est un peu cette énergie-là qu'il faut que tu ailles chercher, tu vois. J'ai beaucoup de gratitude, c'est-à-dire que quand un entrepreneur prend de son temps libre, parce que je sais que le but, ce n'était pas de pitcher tout ça, tu vois, juste pour partager des conseils, comme si justement j'étais déjà client, j'ai vraiment de la gratitude. Déjà, je te remercie vraiment sincèrement pour ça. Et s'il y a des résultats ou quoi, je te tiendrai au courant. Et forcément, si en plus je sens que je peux aller plus loin, bah, ça me motivera forcément à prendre un truc, une offre ou quoi que ce soit.